Eh bien bonjour à tous, c'est Mister Goué, c'est Edin, et moi je te place à Slapstar. Comme d'habitude, moi je vais nickel. Donc déjà à l'intro, je suis super content de vous présenter cette vidéo parce que cette vidéo, attention, va parler de trois choses, mais deux choses qui sont à peu près la même chose. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu voir au titre, je vais vous parler de notre entreprise, en parenthèse, de mes jeux que j'ai créés. Donc j'en ai créé un seul pour le moment, il y en a un autre qui est en construction, je vous en parle plus tard dans la vidéo. Et je pense que ça va être affiché en haut quand je vais vous parler de ce qui va se passer. Donc cette vidéo, je vais vous parler du site web de notre entreprise en Go Games, de mon PlayStation Plus, donc sur PS4, et de mon code ami sur Nintendo Switch, parce que je vous en ai déjà parlé, j'ai ma Nintendo Switch, et si vous avez une Switch, ça me fera un grand plaisir de jouer avec vous. Attention, le seul jeu que j'ai réellement qui se joue en multijoueur, c'est Mario Kart 8. Donc si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même m'accepter en code ami. J'adore jouer avec des personnes en multijoueur, j'adore tout simplement jouer avec mes abonnés. Parce que j'ai envie d'être près de ma communauté, moi. Je dis pas comme d'autres youtubeurs, mais moi j'ai envie d'être près comme dans ma communauté. Et donc voilà, donc ce qui va s'afficher en haut, c'est les... Si vous voulez, regardez, juste voir mon code ami, je vous donne. En haut, en ce moment il s'affiche, mon PlayStation Plus il s'affiche, et mon site web s'affiche. Donc là, on va parler de mon site web. Dans mon site web. Alors avant de commencer, je n'ai pas créé le site web. Et non, parce que, mais comment dire, dans mon site web, comme on est une entreprise avec mes amis, donc on est 4 à bosser dans cette entreprise, 2 qui bossent sur le site web, et un, et moi et mon ami, et un de mes amis que je vais pas dire son nom, quoi que si je le dirais, mais je le dirais, non, mais je le mettrai dans la description après cette vidéo, pour son accord s'il veut, sinon je mettrai pas. Donc c'est ça, moi je bosse sur mes jeux, et donc là on a eu mon premier jeu qui a été fait sur RPG Maker. J'aimerais le dire, RPG Maker, c'est un meilleur, c'est l'un des meilleurs, meilleur truc pour créer des jeux, je trouve, parce que c'est mon tout premier jeu et je l'ai fait avec parfaitement. Je joue avec, évidemment il y a quelques fautes évidemment dedans, ne faites pas attention s'il vous plaît. Et c'est ça, donc j'adore ce logiciel pour créer des jeux, c'est vraiment très facile et efficace. Et mon deuxième jeu qui s'apparaît à créer sur Unreal Engine, et ça va donc être un jeu d'horreur, comme vous le verrez, je vous mettrai, je dépense des photos en ce moment même. Et donc voilà, ça c'est, là je vous donne une seule photo en ce moment même, et là c'est mon jeu d'horreur, et c'est fait sur Unreal Engine. Et comparé à RPG Maker, en fait, RPG Maker, tu ne fais pas ton jeu de A à Z, mais on pourrait dire de, allez, G à Z, je pense, on va dire. Et voilà. Et donc, Unreal Engine, lui, on le fait vraiment de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Vous en parlerez sûrement dans une autre vidéo. Mais est-ce qu'on va plus s'attarder, en fait, sur le site Ango Games, évidemment, c'est... Là-dessus, Ango Games, c'est notre entreprise aussi, c'est notre entreprise qu'on s'est donné. Pourquoi Ango Games? Donc, je vais tout vous dire sur moi. Quoique, non, je vais juste vous dire pourquoi Ango, et je sais pas, juste pourquoi, juste An et pas Go. Alors, An pour Anthony, mon ami, et évidemment, je pense que si je vous dis Go, je pense que vous êtes capable de trouver mon nom facile. De toute façon, je pense que dans ma vidéo Facecam, je vous montrerai à peu près qui je suis, hein. Qui, je sais pas si ça va venir, mais je vous promets, j'essaie de faire une vidéo facecam, sauf que c'est assez dur et faut aussi que j'ai du temps pour prendre ma caméra, parce que j'ai pas de caméra, mais j'ai la caméra de mon père. Donc c'est ça. Donc dans cette, c'est ça. Donc le site, il s'apparente à être un site de jeux vidéo. Et ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est que si vous créez des jeux vidéo, vous nous envoyez, je sais pas, moi en fait, ce que je voulais créer à la base, en fait, c'est une entreprise, parce que c'était un projet PPO, et on voulait pas, et en fait, moi je voulais pas que ça s'attarde juste à être un simple projet, mais plutôt vraiment un truc que je tiens à cœur. Et c'est pour ça que je voulais que ça tienne, parce que sinon, j'aurais pas continué, j'aurais abandonné. Mais ça me tente aussi de créer des jeux vidéo, parce que depuis que je suis allé chez Ubisoft, j'ai toujours cette envie de créer des jeux vidéo. Et comme je vous dis, mon jeu d'horreur avance pas à pas, on va dire, tout simplement. Et c'est ça, donc il avance, et je serai content de vous présenter. Donc voilà, je pense que ce que j'ai à propos de dire dans mon site, j'ai à peu près tout dit. De mon site. Ah, attention, oui, ce site a été créé, comment dire, par Anthony. Oui, il a été créé par Anthony. Sauf que, on avait un jour, en fait, il avait une soirée. Donc, ce que vous verrez en ce moment, il a été créé en une seule soirée. Le site n'est pas totalement fini. Bah, certes, il est fini pour avoir des jeux, mais il n'est pas environ fini d'après ce qu'il m'avait dit. Et voilà. Donc, il a été créé en une seule soirée. Donc, je le félicite vraiment et je suis vraiment content.
parce que sans ça, on n'aurait jamais pu avoir une très bonne note sur notre projet. Attention, j'ai eu 98. On a eu 98 et je suis ultra content de l'avoir. Donc c'est ça. Je suis vraiment content d'avoir eu ce site, d'avoir eu une entreprise qu'on commence déjà bien. Le site sera en description. Téléchargez le jeu Zack, il est ouvert. Et vous avez déjà une seule image du nouveau jeu d'horreur qui s'appellera donc La Maison créée par moi. Et attention, ce jeu, Zack, je l'ai codé tout seul. Mais j'ai créé le scénario avec Anthony, Jean-Samuel et mon ami Justin. Et attention, c'est lui mon deuxième, voilà mon deuxième ami. Donc maintenant, on va s'attarder à mon PlayStation Plus. Donc mon PlayStation Plus, c'est tout simple. Si vous voulez jouer avec moi sur PS4 ou sur... si vous voulez jouer avec moi sur PS4 ou sur Switch, donc alors mon PlayStation Plus, il est simple, hein, c'est juste Mister Google 739, donc MR, M majuscule, R minuscule, pas d'espace, G, un gros G majuscule et GO, et après tout en minuscule, et 700 et 739 dans 739, tout simplement. Mais attention, mon PlayStation Plus, si je vous le donne, vous pourrez m'accepter en ami, ça fera super plaisir, mais marquez quand vous m'accepterez. Bonjour, salut Mister Gogo, vous savez juste tout simplement salut Gogo si vous voulez m'appeler comme ça. Je suis un abonné et j'aimerais devenir ami avec toi, ça me fera un plaisir de t'accepter, mais si vous marquez pas de message, ça va être pour dur pour moi de vous accepter. Donc tout ce que je demande si vous m'acceptez, c'est de m'envoyer un message comme quoi vous êtes bien abonné à ma chaîne et voilà. Et attention, j'aimerais vraiment juste dire que si vous voulez devenir ami avec moi, je ferai des vidéos. Mais donc évidemment, si je fais des vidéos, si vous êtes genre quelques-uns à m'accepter, je dirais peut-être si vous avez des chaînes ou pas. Mais si c'est juste pour devenir ami avec moi et juste faire de la pub, j'accepterai donc pas ça. Parce que moi, si je fais ça, c'est vraiment juste parce que j'ai envie de jouer avec vous et pas juste parce que vous voulez juste faire tout simplement de la pub. J'ai pas envie que vous fassiez de la pub sur mon dos. Certes, j'aimerais faire de la pub, mais si c'est juste pour devenir ami avec moi et juste faire de la pub, je n'accepterai pas votre demande d'ami. Et de toute façon, je peux pas le deviner. Hein, je peux pas le deviner si vous voulez faire juste de la pub. Mais soyez honnête. Et si vous voulez devenir avec moi, ami avec moi juste parce que c'est un youtubeur et faire votre pub juste après, dites-le moi si vous voulez faire de la pub. C'est mieux que si vous le dites pas. Et j'ai plus accepté que vous me dites. Donc voilà. Donc maintenant on va s'attarder à mon code ami sur Switch. Mon code ami sur Nintendo Switch. Attention, presque pas beaucoup de personnes peut-être entre vous ont Nintendo Switch parce que ma chaîne est réservée à peu près juste sur les consoles de salon. Donc c'était le PS4 parce que je fais majoritairement mes jeux là-dessus et un peu sur PC. Donc c'est ça. Mon code ami comme ça, je me souviens plus parce que j'ai pas mal de ça à côté de moi. Mais je vous mettrai, vous inquiétez pas, en description. Et c'est ça, donc moi j'ai juste Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. J'ai aussi d'autres démos, mais que je ne pense pas jouer avec. Je vais aussi essayer plus tard, peut-être plus tard, j'aurai Splatoon parce que c'est un de mes jeux que j'adore, Splatoon. Vraiment l'un des jeux que j'adore. Mais si vous voulez devenir avec moi ami sur Switch, ça me fera exactement plaisir. Évidemment, je sais quand vous allez devenir, quand vous allez accepter un ami. Pas obligé de me marquer de message parce que sur Switch, je crois que moi aussi on peut pas marquer de message. Mais surtout parce que je ne reçois presque pas beaucoup de demandes d'amis. Car je ne connais pas les personnes et ils me connaissent pas. Donc je peux pas avoir de demandes d'amis sans que vous ne connaissez pas. Et voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. J'espère beaucoup qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations sur le site, ça prend un grand plaisir d'avoir fait une vidéo dessus. Ceci étant dit, je vous souhaite partout bien. À la prochaine vidéo, le Mister Gogo. Allez, ciao, bye bye. Et checkez la description pour toutes les informations si vous avez besoin. Allez, partout bien, je redis l'intro. Ah oui, lâchez un pouce bleu, je pense que vous connaissez la suite. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Abonnez-vous et partout bien. À la prochaine vidéo, le Mister Gogo. Bye bye.